Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez suivre une formation en ligne pour avoir une certification OMRA. Donc ici, on va parler de ce qui est programmation des automates OMRA. OK? Donc avant de commencer, donc n'hésitez pas à s'inscrire à notre chaîne YouTube Hamadi Bin Sessi, où vous allez recevoir plusieurs vidéos de nouveautés, donc tout ce qui est en relation avec l'automatisme, tout ce qui est programmation, supervision, les automates, Siemens, Adaptive, Schneider, tout ça. Ok, donc maintenant on va passer ici. Donc on va ouvrir une page. On va écrire par exemple omronlearning.com. Donc omronlearning.com, c'est le site où vous allez trouver votre formation. Je vais mettre en français. Donc ici on va créer, on va ouvrir notre le page pour faire la formation. Ici vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Par exemple ici je vais choisir français. Donc ici il n'existe pas le français je pense. Donc je vais choisir anglais. Bien sûr ici lorsque je vais créer mon premier compte, je vais on serait un nouveau client. Ici, je vais choisir langue. Ok, par exemple ici en anglais. Non, par exemple Hamadi. Je vais choisir ce compte. Pays, bien sûr, je choisis notre pays Tunisie. Voilà la Tunisie. Bien sûr, je clique ici pour voir pour afficher le Provides for Life. Ok. Bon, après que vous allez ici, vous avez accepté, bon, vous n'avez pas le choix, la politique de confidentialité, et vous allez inscrire. Est-ce que j'ai oublié une chose? Compagnie ATP. Et je vais inscrire. Donc ici, il va vous montrer que vous avez envoyé que votre compte est créé et que vous avez reçu un email par Omron pour l'activation de votre compte. Donc on va aller à notre mail. Donc voilà. Les mails qui sont envoyés par Omron. Donc je vais cliquer ici et je vais activer mon compte. Lorsque j'ai activé mon compte, bien sûr, je vais choisir l'angle où je vais choisir travailler. Ici, il va nous demander d'écrire notre mot de passe, par exemple. Je vais activer mon compte. Après l'activation de compte ici, donc ici vous allez choisir votre cours ici. Donc ici on va cliquer sur le parcourir. Ici vous avez plusieurs cours, tout ce qui est système d'automatisation, composants de contrôle, mouvement et entraînement, alimentation, composants de sécurité, les capteurs, système de vision. Donc ici vous avez plusieurs formations. Par exemple, je vais choisir une formation, par exemple système d'automatisation. Je vais faire par exemple la formation principe de base, tout ça par exemple. Et ici, il va lancer notre formation. Par exemple, ici, je vais cliquer sur n'importe quelle partie par exemple. Mais bon, pour vous allez commencer au début. Donc ici, il va faire toute une formation ici en cours. Ok, vous allez naviguer d'une page à une autre
pour suivre cette formation. Donc il va ici tout ce qui est formation en Rome, ainsi de suite. À la fin, vous allez recevoir un crédit QC, un test pour valider cette formation. Okay. Donc ici, vous avez des exercices, des exemples animés, et vous allez faire votre programmation, et vous allez suivre cette formation. À la fin de cette formation, vous allez obtenir une certification en moi. Merci pour votre attention.